Salut tout le monde, c'est Largo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft, sur le serveur Bordelic. C'est bon, c'est parqué là, voilà. Pour une nouvelle vidéo pour l'épisode 3. Donc là, depuis le dernier épisode, je me suis pris quelques niveaux. Et avec ces niveaux, on va pouvoir nous prendre notre or. Donc l'or qui est, hop, à la deuxième page, qui est, hop, 4 carats en premier. Hop, ça le débloque. Et nickel, pur gold. Et oh, ça a tout débloqué direct. C'est pour ça que c'était marqué 7 niveaux. Ok. Je croyais que c'était un par un. Bah cool. Gold dust. Et il nous faut 2 gold or dans un or crusher. Alors, le or crusher. C'est une machine qui est, hop, juste là, 6 niveaux. Parfait. J'en ai 7, donc voilà, je peux l'avoir. Et avec ce ore crusher, comment il fonctionne déjà? Ok. Oula, c'est un truc un peu compliqué. Dispense. Ah, quoique, non, ça va. Bon, il va falloir Nether Brick, donc il va falloir aller dans le Nether. Iron Bar. Iron Bar. Donc ça, Iron Bar, c'est. Ok, du fer. Ok, donc. Table de craft. Putain, on n'a pas besoin de se déplacer au moins comme ça. Voilà. Il nous en faut combien? Wow, 16. Ouais, ça va. 16, c'est suffisant. Ensuite, on a Nether Brick. Ouais. On a besoin de ça, mais bon. On n'en a pas pour le moment, il me semble. Ensuite, Dispenser, c'est tout simplement. Hop, est-ce qu'on a un arc? Non, on n'a pas d'arc. On se fait un petit arc. Hop, on se fait l'arc. Putain, c'est tellement pratique cette table de craft. On bouge même plus que on peut tout faire partout. Est-ce que si on déplace l'item, non, ouais, non. Par contre, si on, ok, même si on le jette, ça fonctionne. Bon, ok. Après, il faut pas le jeter non plus. C'est pas le principe. Mais du coup, voilà, ça ouvre juste un inventaire, donc on peut jeter la table après si on n'en veut plus. Alors, ici. Hop, un redstone. Et de la pierre tout autour. Oh yes. Pile le bon sens direct. Ensuite, on a besoin de iron bars et tout. Du coup, nether brick. Et ça, bon. Je suis sûr quasiment à 100% qu'on n'y est pas allé. Dans l'end. Enfin, dans le nether. Bon, ça fait hyper longtemps que j'ai pas joué sur cette série, vu qu'en plus les niveaux, je les ai farm. À la fin du dernier épisode après. Donc donc voilà, il faut que j'aille voir, mais du coup, il me semble qu'on n'a pas ce qu'il nous faut du coup, parce que là, on cherche à faire, pour ceux qui viennent de nous reprendre, hop, et qui n'avaient pas vu l'épisode d'avant, on cherche à faire ce backpack, voilà. Sachant que, ah ben non. Ah ouais, mais non, il y a l'or, ouais, forcément. On a le cuir, il me semble. Enfin, on a peut-être, on a assez de cuir, il me semble. 4. Merde. Je crois qu'il en faut 5. Ah, merde. Ok. Bon, j'irai prendre du cuir en plus. Bon, ça, pas la peine de faire un long périple pour essayer d'aller le chercher. En tout cas, ce qu'il me faut. Bon, là, j'étais parti miner, du coup, j'ai de l'or aussi en plus. Non, il ne faut pas. Ouais. Est-ce que j'ai vu? Est-ce qu'on a vu du coup? Pour l'or, là, si on veut fabriquer de l'or, donc c'est genre juste là, hop, la deuxième page, pour de l'or, il ne faut pas, parce que Gold Dust, il ne faut pas un lingot d'or, il faut minerai d'or. Donc on va les laisser comme ça, voilà, hop, et on les met là. Ensuite, du coup, là-dedans, on a 4 cuirs exactement. Ouais, de la redstone et tout, bon, ça on s'en fout. On désite, hop, on déplace ça, tac. Et du coup, là, vu que je suis en train de préparer les vidéos pour la semaine prochaine, du coup, ça, la vidéo sera peut-être plus courte que d'habitude, ou avec moins de montage, tout simplement. Ok, voilà, Iron Bars, parce qu'en plus, je suis un peu en retard. Torche, cobble, ouais, un petit peu. Voilà, on garde les flèches. Lapis, on s'en fout, on n'a pas de portable enchanteur.
Et ouais, ok. Ça m'a l'air ok. Donc voilà, bon, on a notre poubelle comme d'hab. D'ailleurs, dans la poubelle, on n'a pas des trucs à jeter. Bon, la fleur, on va la planter. Juste parce qu'on est proche de la surface, donc je l'aurais jeté, mais du coup, on va la planter, la fleur. Parce que autant y aller. Et puis en même temps, on peut aller prendre du. Ouais, bon. On va prendre le petit bout de cuir qui nous manque. Si on arrive à en trouver. Donc là, il y a des. Ah! Je sais. On avait fait un home animaux. Voilà, j'ai 5 homes, donc je devrais peut-être me limiter un petit peu. Pour que je sois à peu près comme vous en termes de nombre de homes. Mais ça, je verrai plus tard. Hop, y a la masse de. Il y a la masse de moutons. Putain, j'ai perdu le mot. Il y a la masse de moutons ici quand même. Mais les vaches, on n'avait pas décimé toute la population. Merde! Ah, moi qui voulais en laisser deux pour pouvoir les faire perdurer, bah non en fait. On avait du tout tuer tout le monde. Et là, il n'y en a pas d'autres, vraiment. Là, vache champie, des trucs du genre. Vache champie, ça m'irait. En fait. Oh, il y a plein de poulets ici. Bon, il n'y a pas moyen de les accoupler. Par contre, ce que je veux bien prendre, c'est un peu, hop, de, voilà, je sais pas si ça va fonctionner, un petit peu de, voilà, ah, nickel, un peu de champignons, parce que ça, on n'en a pas. Et, bon, à la limite, les arbres, en plus, je sais en faire des arbres à champignons, donc c'est pas grave si on le casse lui, en plus. Mais du coup, il va nous être plutôt utile si on veut faire des soupes de champignons. Avec notre backpack, on pourrait se faire un backpack avec des soupes, si jamais c'est utile ou pas. On verra bien si c'est plus utile que backpack avec carrément masse de steak. Je pense que ce sera plus les steaks qui sont utiles. Mais en tout cas, au début, la soupe pourrait bien aider. Donc voilà, on va pouvoir se permettre de prendre tout ça. Et on va essayer dans le prochain épisode d'ailleurs d'aller dans le nether. Parce que là, what? Ok. Je pense que je vais pas réussir à aller dans le nether là. Donc là, il nous faut le dernier cuir pour la recette. Pour le nombre d'or, j'ai pas calculé exactement combien on en avait besoin. Donc il faudrait peut-être. Mais du coup, là, on peut aller trouver nos vaches. Si elles veulent bien se présenter à nous d'ailleurs. Les petites vachounettes. C'est un nom trop pourri en vrai. Cobaye. Où est-ce qu'il y a des vaches? Parce que là, on trouve aucune vache. Et c'est un minimum embêtant. Dans la mesure où on en cherche juste une en plus. Juste un bout de cuir, les gars. Donc, s'il vous plaît, donnez-nous notre bout de cuir. On a un peu de canne à sucre. En vrai, on s'en fout un tout petit peu. Mais autant tout raser. Voilà, bon. J'ai pas tout rasé en vrai, mais voilà, je repose. Et là, c'est tombé à côté, je crois. Non, pas du tout. C'est tombé ici. Ok. Ah, merde. Ça fonctionne plus. C'est quoi ce truc? Je vous remercie pour votre réponse. Ok, ouais. C'est un message sur le chat du staff du serveur. Que seul moi et puis... enfin, seul le staff peut voir en jeu. Ok, alors, là... Il y a toujours pas de vache. Bon, à la limite, il y a la masse de cochons et de tout en fait, mais il y a pas de vache. Bon, je vais vous retrouver dès que je trouve des vaches. Putain, il y a la masse de cochons. Non, je suis pas de cet homme parce que du coup, le cet homme, c'est un peu abusé si j'en ai bien plus que tout le monde, si j'en ai illimité. Donc je vais pas faire de cet homme. Mais par contre là. Je vais bien me déplacer à pied. M'ennuyer à me déplacer à pied. Enfin, faire un long voyage juste pour trouver un bout de cuir. Et du coup, après, on ira voir pour le portail, pas maintenant directement, mais dans pas beaucoup de temps. Donc, on sera dans le nether dans le prochain épisode, je pense. Donc là, bon, je cherche toujours les vaches. Est-ce qu'il y a encore de la bouffe? Parce que si on n'en avait plus, on aurait été un peu dans la merde. Et ouais, bon, il n'y a toujours pas de vache. Bon, ok, du coup, je reprends dès que je trouve des vaches.
Ah bon, j'ai pas trouvé de vache pour le moment, mais j'ai trouvé des champignons bruns pour les soupes. Donc voilà, c'est utile aussi. Bien que dès qu'on aura nos steaks à profusion, ce sera moins utile. Mais encore faut-il l'usine à animaux. Oh, des citrouilles. Yes. Si je m'en prends deux, voilà. Ouais, à la limite, vas-y, on en laisse juste deux en déco. C'est gratuit. Et de toute façon, on a bien fait un slash play, donc personne va savoir exactement, parce que si les mecs, bon, je pense c'est quasiment improbable que des mecs viennent, ils remarquent que c'est les deux mêmes citrouilles que la vidéo, et ils se disent, il habite pas loin. Mais vu que j'ai fait slash play, il n'y a pas trop de danger. Bon, du coup, où sont les vaches? Oh, yes, enfin des vaches. Putain, lâche. Cet homme grotte, même si c'est pas censé être une grotte, je l'appelle grotte et à la limite du coup del homme grotte, hop, grotte slash cet homme, on met vache, voilà, c'est parfait. On va en garder quelques-unes quand même, des vaches. Putain, mais ouais, il y a des vaches là. On est d'accord, il y a des vaches. Ça me fait combien de cuir? Un. Yes, c'est ce qu'il nous fallait. Il nous en fallait juste un. Donc on peut retourner chez nous. Voilà. Et là, du coup, home minage, que je vois où c'est. Ok, donc c'est avant la grotte. D'accord, c'est l'endroit pour aller miner. Home base. Ok. Donc ouais, bon, je devrais refaire un autre home en pleine mine en bas, vu que si je me paume. Ça pourrait être plus utile. Donc, ok. Donc là, on n'a pas d'obsidienne. On n'a toujours pas d'outils en diamant. Et on n'a toujours pas de diamant. Donc je vais devoir les miner, en fait, pour trouver du diamant. Ok, on est couche 11. Donc on peut miner par là. Voilà. Bon, du coup, je vous ai retrouvé directement dès que j'ai pris les coordonnées. Mais du coup, voilà. Et d'ailleurs, je vais peut-être... Ouais, je vais les mettre dans le tab dans très peu de temps. La coordonnée Y juste parce que c'est putain de pratique ce truc, donc on va devoir le mettre dans le tab. Ouais, on est déjà passé. Oh, ok, on va tracer parce que nous on a juste besoin de diamants, donc si on trace on va peut-être en trouver, donc dès que j'en trouve, bah je vous fais signe. Du coup on est parti. Je crois qu'on a légèrement oublié les torches. Putain, on a légèrement oublié les torches. Voilà, c'est un peu mieux si on prend des torches. 16 torches, c'est pas beaucoup. Voilà, si on s'en prend encore un peu. Et on en a 16 de plus, juste avec 4 charbons. Voilà, parce qu'on a oublié les torches. Je vois assez bien quand même avec le gamma, mais du coup c'est chiant quand même. Ah, quoique en fait j'ai l'impression que j'ai pas trop changé le gamma là. Je sais pas s'il est changé ou pas, je verrai hors vidéo s'il est changé. Mais du coup, d'ailleurs on a trouvé de la redstone derrière, mais bon, nous ce qui nous intéresse, on est focus pour trouver du diamant. Donc on fonce tout droit, même s'il y a des minerais en face de nous. Ah, passage de niveau, plus deux niveaux. D'ailleurs on n'a plus rien à débloquer pour le backpack pour le moment. Donc on a juste à foncer parce que ce qui nous manque c'est juste en fait, bon, déjà peut-être de l'or. Attendez, il me semble, j'ai vu là ce que j'avais vu, c'est qu'il fallait, hop, donc là si on retourne en arrière, ouais, il en faut, ah, un minerai, on en a deux. Ok, un minerai, deux gold dust, et donc ça fait deux or 4 carats pour un seul minerai. Et ensuite, 2 gold 4 carats. Merde, alors, un minerai, ok. Donc, on a besoin de un minerai pour deux. Ok, là, il y en a besoin d'un seul. Donc, un minerai, ça nous en donne deux forcément. Donc, un ici, et un autre qui va nous servir à faire le lingot 4 carats. Donc, logiquement, on a juste besoin de un et deux. Juste deux.
Donc, un seul minerai en fait. En fait, c'est pas beaucoup pour un or si carat. Enfin, non. Pas un seul. Parce que du coup, il y a portable, utilities, on voit que là, il nous en faut deux. Ouais, donc deux, voilà. Plus deux minerais en fait. Bon, on les a largement, ces deux minerais, donc on n'a pas trop à s'inquiéter là-dessus. Et là, bon, si je trouve vraiment du diamant, je vous appelle. Parce que pour le moment, j'en ai pas encore trouvé. Et peut-être que c'est mieux de passer en ligne droite, même s'il y a du gravier, parce que sinon ça fait un détour pour rien. Surtout qu'il y a des torches que j'ai envie de mettre et que je suis obligé d'en mettre plus si on fait des détours comme ça. Bon, heureusement que il n'y avait pas de diamant ici. Et d'ailleurs là, je mine en 2x2, donc faudra que je trouve avec la, je crois, explosive pickaxe qui est hop ici tools, donc c'est hop c'est Hercule, c'est quoi ce truc, smelter, lumber, pickaxe et tout, explosif. 28 niveaux quand même, c'est beaucoup, donc pas pour le moment, mais en vrai on a quand même réussi à farmer 14 niveaux, donc ça sera pas d'ici longtemps, enfin 14 niveaux juste pour deux améliorations, sachant que du coup on a juste besoin de 7 niveaux. Ah, on a un peu de silex. Bon, on a du coup pas en main direct, mais du coup là on a le briquet, voilà, donc c'est parfait. Il nous manque justement un peu de diamant pour aller miner cette obsidienne en fait pour le portail. Donc bah voilà, on va le faire à l'épisode suivant, même si j'ai dit que j'allais trouver du diamant ici. Donc, parce que là, ouais, là, ça fait assez longtemps d'épisode en plus. Donc, voilà. Donc, c'est la fin de la vidéo. Je vais m'arrêter de miner dans 5 blocs. 1, 2, 3, enfin 5 en j'ai 4. Et 5. Il n'y a pas de diamant. Ok. Bon. En tout cas, c'est slash home, slash set home. On peut l'appeler minage. Parce qu'en vrai, la mine, là-bas, l'entrée de la mine, en fait, le début, n'est pas si loin que ça que la base. Donc voilà, on peut l'appeler minage ici. Et là, on retourne à la base. Voilà. Et on oublie de faire notre lit d'ailleurs. Parce que bah, le lit en fait ça peut faire un home en plus d'ailleurs. Donc si je mettais un petit lit, sachant que j'ai de la laine pour faire le lit, voilà. Si je mets mon petit lit, hop, voilà, on se prend les planches. Si je mets le petit lit, genre quelque part par ici, genre on va le mettre. Moi je serais d'avis de le mettre là, je sais pas où est-ce qu'on va apparaître après. Donc on va un peu miner dans le mur. Bon merde, c'est pas grave. Du coup on va un peu miner dans le mur, voilà, et on va le déposer juste là, voilà. Et là on a le spawn du lit défini, slash home bed, voilà, slash home lit. Il fonctionne ou pas aussi? Non, ok, c'est bed tout simplement. Et bed, du coup, ça nous fait apparaître sur le côté gauche. Bah, c'est parfait. Donc voilà, on va reboucher rapidos. Et du coup, voilà, du coup, c'est la fin de la vidéo. Je me mets en haut quand même pour l'outro. Donc, c'est la fin de la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo à tous vos amis. Et moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Sur ce, c'était Largo. Tchuss. Sachant que demain, en plus, vous avez une vidéo plutôt spéciale par rapport aux autres. Donc, soyez là. Et puis, soyez rapide aussi, parce que je vais faire gagner des trucs. Mais bon, j'en dis pas plus. Donc, tchuss.